Bonjour à tous, c'est John Jodan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, le décompte du 9e anniversaire, c'est aujourd'hui, c'est maintenant et on va regarder ça ensemble comme d'habitude. Alors, comme traditionnellement, je vous propose une vidéo par jour concernant les 9 ans avec les persos, les portails, la célébration, le contenu, etc. Vous voyez, une vidéo par jour avec un peu le récap de tout ce qui va se passer. Et puis quelques spéculations peut-être, peut-être quelques ajouts, on ne sait pas. Voilà, comme j'ai fait je crois les 2 années précédentes, hein, il me semble, si je dis pas de bêtises, on va se faire ça. Bon, aujourd'hui, il y a le décompte, et puis demain, je verrai ce que je vais vous proposer. Alors, le décompte, bientôt 9 ans, campagne, évidemment, du compte à rebours. On a également en dessous, évidemment, les petites images du décompte, hein, mais bon, on sait, hein, évidemment. Le bonus de co, donc il y a 4-5 DDS, voilà, 10 petites DS à récupérer. Quelques tickets également, 35 tickets si j'ai pas de bêtises. Voilà, 35 tickets, alors c'est sur le portail classique, hein, mais bon voilà. On reparlera des portails dans la vidéo dédiée au portail. Le bonus de connexion spécial Dragon Ball Super qui est là combien de temps? Jusqu'au début, hein, donc pendant une semaine. Alors je l'ai fait tout à l'heure, j'ai eu les 7 DS, incroyable. Alors ça évidemment c'est variable. Si vous avez pas de chance, bah vous aurez 7 DS. Si vous avez de la chance, vous en aurez 49. Hein. Bon, mais voilà, c'est peu probable. Hein. Bon, je vais en compter 7, quoi, hein, pour être pessimiste. Hein, mais bon, voilà, dans tous les cas, c'est là. Le truc, là, sur les réseaux, enfin, vous appuyez, vous revenez en arrière, et puis ça vous donne des tickets. Donc, ça fait quelques tickets supplémentaires. La campagne de retour, donc ça, c'est les gens qui reviennent, hein, vous savez, hein, les gens qui reviennent sur le jeu, soi-disant. Donc, ça va toujours m'arrêter de savoir si les stats étaient réelles ou non, mais bon. Donc, une DS, 2 DS, 3 DS, 4 DS, 5 DS et 10 DS supplémentaires à récupérer. Voilà, merci, c'est gentil. Donc ça, évidemment, vous n'avez rien à faire. Hein, c'est les gens qui amènent sur le jeu, donc ça se fait tout seul, évidemment. Et donc, on va tout de suite sur le détail. C'est parti. Donc avec ce qu'on vient de voir, finalement, les images du décompte, le bonus de co, les tickets avec les réseaux sociaux, campagne de retour. C'est quoi ça? Alors oui, c'est le fameux événement où on affronte de mémoire... Je sais plus c'est qui en premier, c'est Broly. Enfin, je sais plus, c'est Hit ou Broly. Ou Cellmax. Enfin, je sais plus c'est qui, mais on affronte un boss. Et je crois que c'est. Ou j'irai. Je sais même plus. Je sais plus c'est qui. En premier. Mais je crois que c'est Broly. Hein, mais bref, enfin, on affronte un boss, peu importe. Hein, on en reparlera. Et c'est pas très dur, mais en fait, il y a plein de missions à faire. Plein de catégories. Il y en a un paquet. Hein, c'est assez long à faire. Et du coup, on récupère. Quand même quelques DS, alors je regarde ici en même temps, mais il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 15, donc avec la toute émission. Donc 15 DS. Donc 15 DS à choper, donc bah c'est toujours ça de prix, hein, les gars, on dit pas non. C'est pas très dur, mais ça prend un peu de temps. Le Battle Z suprême, évidemment, Migaté puissance, hein, on va reparler du perso. Tout de suite. Il est pas mal. Alors récemment, là, sur la Jap avec le Migaté Tech, alors ils ont le même nom, mais une fois transformé, ils ont plus. Enfin, les liens marchent. Et puis de toute façon, il se fait quand même booster par le terrain aussi. Et du coup, bah, il a pris un boost intéressant avec le nouveau Migaté. Mais même avant ça, il est vraiment pas mal du tout. Alors, c'est vrai qu'il a tendance à. Je sais pas, à moins esquiver que les persos qui ont les mêmes taux d'esquive. On sait pas trop pourquoi. Mais bon, c'est qu'une impression. Mais bon, on va dire qu'il est quand même assez cool, hein. Donc on a attaque et def 177%, qui plus 4, 70% d'esquive pendant 7 tours. Au-delà, on passe à grande chance, mais dans la plupart des combats, on va être à 70. 7% d'esquive en plus, qui normalement s'additionne avant que le perso reçoive une attaque par l'univers 7 dans la team. Donc si t'es full univers 7, ce qui arrive pas mal de fois, et bah t'es à 84% d'esquive, ce qui est quand même sympathique. 77% défense au moment où le perso a fait une esquive, et c'est permanent, donc autant te dire que tu récupères le boost très facilement. Attaque plus 77% à partir du moment où tu as esquivé une attaque en tant que premier attaquant. Donc tu le mets devant au début du combat, tu récupères le bonus et c'est réglé. C'est vraiment pas compliqué. Qui plus 1 jusqu'à 7 et attaque et def plus et critique jusqu'à 11% jusqu'à 77. Donc en gros par esquive réalisée, au bout de 7 esquives t'es maxé. C'est pas très long, tu récupères du crit, des dégâts, de la def. Et du coup bah tu as des valeurs qui se tiennent. En gros en termes de def tu peux plus ou moins tanker les autos. Et après évidemment faut esquiver en spé. Mais bah t'as quand même pas mal d'esquives quoi. Et niveau dégâts, une fois qu'il est maxé, ça peut lâcher des trucs comme 25-30 millions. Hein. Bon, c'est qu'une attaque, mais il est blindé de crit après. Donc voilà, il peut faire ses petits dégâts quand même. Hein. Il est vraiment sympa.
Donc très cool, attaque et def sur l'aspect 12. Bon, désactive la garde de l'ennemi, ça c'est pas incroyable, mais ça peut toujours dépanner, réduit grandement la def. Spell ultime, grandement attaque et def. Derrière, encore désactive la garde. Le boost d'attaque pour les alliés, éventuellement, pourquoi pas. D'ailleurs, je viens de penser, mais ce boost marche sur, par exemple sur Bigat et Tech pour renforcer ses contres. Bon, généralement, c'est plutôt Bigat et Tech que tu mets devant, mais je viens de penser à ça, mais bon, bref. Au niveau des liens, c'est cool, hein, on a part au combat. Bon, combat décisif un peu moins intéressant, mais on a droit du pouvoir, on a tout ce qu'il faut. Donc voilà, personnage qui est vraiment pas mal du tout, hein, qui se défend bien. Même si évidemment, bah, maintenant il y a d'autres réveils aussi très intéressants hein, qui arrivent avec Bigaté, Vegeta Evo et compagnie. Mais franchement, il est cool. Il est cool, la carte est magnifique, il a des belles animations. Franchement, moi j'aime bien. Alors, donc ça fait évidemment 30 DS et quelques à récupérer. Les stories, évidemment, DBS avec des vieux Kai si jamais il y a besoin. Et bah, je pense qu'on va être. Ça va être tout, hein, je crois. Hein, les zones Z, enfin bon, ça. Évidemment, l'XP quadruplé dans le mode quête, les 3 minutes d'ACT. Pour les liens, c'est bien. Les réductions chez Baba. Le boost 5 fois le week-end. Et les trucs chez Caillou, machin. Bref, le classico. Donc là, en termes de DS, ça fait 75 DS à peu près pendant le décompte. Sachant qu'évidemment, je n'ai pas compté les DS qui restent de la célébration en cours, hein, évidemment, de Freezer et compagnie. Il reste le bonus de co, etc. Et puis, on aura certainement un beau bonus de co Day 1, puisque comme il n'y a pas le fameux stream reveal qui rapporte des DS, j'ai envie de le mettre en bonus de co. Donc, Day 1, on va avoir pas mal de DS à se faire, bien sûr. Mais on y reviendra dans la vidéo dédiée au contenu, etc. Alors, je rappelle juste, je vous le dis déjà là, mais à l'anniversaire, il y avait sur la JAP, je crois, dans les 1400 DS, hein, à peu près sur la globalité. Je vous en reparlerai, je vous redétaillerai ça dans la vidéo dédiée, mais pour vous donner une idée, quoi. Bon, après, Day 1, je sais plus trop, hein, mais évidemment, généralement, il y a quand même pas mal de trucs. Voilà, les amis, pour le petit décompte. Il y a les vidéos Blue Zone qui vont arriver dans la journée, et puis après, bah, il y a encore pas mal de choses. Sachant qu'après, il y a ces 17 mardis sur la JAP. Il y aura certainement les autres réveils qui vont se pointer. Sur la globe, bon, bah, il y a le décompte qui commence. Donc voilà, on a de l'SBR, extrême SBR à faire. On a des persos TB à tester. Enfin, il y a pas mal de choses. Hein, là, ça va, les côtés vidéo, ça va être plutôt bien fourni. Voilà. Bon, sur ce, les amis, petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous. À très bientôt. Salut!